il n'y a pas de ring, pas de combat, mais vous finissez KO. Bienvenue à Derval au cours d'aérobox proposé par l'association Aérobox Loisirs Détente créée au printemps 2022. L'aérobox, c'est du fitness mélangé aux gestes de la boxe, un vrai défouloir et un vrai succès pour cette toute jeune association. Une copine avec qui je viens maintenant m'a dit c'est vrai qu'on voulait se remettre en forme. Et elle m'a dit il y a une nouvelle discipline qui vient d'arriver. Et pourquoi pas, c'est à Derval. Donc du coup, on avait le droit à des cours gratuits. Donc du coup, on est venu et en fait, au premier cours, on a adhéré tout de suite. Et du coup, on est là. Dès qu'on peut, on vient le lundi et le jeudi. Et c'est toujours dans la bonne humeur et ça fait un bien fou de se dépenser. Ouais. L'association, ça s'appelle ABLD, donc c'est une association qui existe depuis cette année, le mois de mai. On a eu tout cet engouement pour cette activité et on a décidé de le développer. On a un public majoritairement féminin, bien évidemment, bien que ça soit ouvert aux hommes également. Et de ce fait, donc cette année, on se retrouvera avec peut-être plus d'une centaine d'adhérentes. L'aérobox, c'est un mixte de la boxe et de l'aérobic. En fait, on va faire des mouvements de boxe sur de la musique, sur des chorégraphies. Donc, je vais aller chercher des musiques avec un certain nombre de BPM pour que ce soit bien rythmé. Et après, sur ces musiques-là, je vais adapter les mouvements et je vais créer des chorégraphies. Donc, on va faire pendant 2-3 mois et ensuite, on passera à d'autres. Il n'y a pas de toucher. En fait, on va vraiment faire les mouvements, les avant-arrière, les crochets, les uppercuts. Mais on va faire aussi des mouvements d'aérobic. On va faire des kicks aussi. On va faire des mouvements de kickboxing. On va faire des mouvements aussi de judoka. On va faire des mouvements de rugbyman. Quelquefois avec des AK, des choses comme ça. On intègre tout en fait, on va vraiment faire un mixte de plusieurs activités et qui va donner justement ce côté un petit peu, voilà, on se défend, on fait du sport de combat. On sort de là, on a encore la patate et pourtant on a notre journée de travail. Et ça fait du bien, on se sent mieux. On brûle quasiment 1000 calories aussi, donc c'est pas négligeable aussi. Et puis on se fait plaisir, on fait du sport, tout en étant dans une cohésion de groupe avec une très bonne entente. C'est important, c'est la priorité de ce qu'on voulait instaurer. On voulait vraiment que tout le monde s'entende bien et que la preuve, il y a plein de personnes qui ne se connaissaient pas au départ et après qui créent des affinités, il y a des amitiés qui se lient, donc voilà. Il y a une bonne entente, c'est excellent, on s'encourage, il n'y a pas de jugement, on a tous des physiques différents et bien au contraire quand... On encourage les filles qui n'arrivent pas forcément à faire des gestes parce que tout n'est pas simple non plus. Nous-mêmes, quand on a commencé, on était en difficulté sur certains mouvements et la prof Isabelle, elle est là pour nous soutenir. Les filles qui en font aussi sur Château et Derval, du coup, nous soutiennent et nous aident. Et nous, derrière, en fait, on prend exemple sur elles. Donc, on s'aide toutes. C'est une bonne cohésion d'équipe et c'est un bon esprit. C'est ça aussi qui me plaît. Les cours ont lieu chaque lundi et jeudi soir à Derval, salle de la Vallée de la Chère. Inscription tout au long de l'année, vous pouvez venir tester avant de vous inscrire.